Tout le monde, super excité, mais avant que je parte la vidéo, le nouveau training vidéo, je voulais vous montrer un petit commercial que j'ai fait pour Maison d'Or. C'était vraiment le fun, c'était vraiment random. J'ai décidé de filmer ça dans la minute. Je me suis dit, on va aller acheter un penny board, puis on va avoir du fun. Fait que je vais faire jouer cette vidéo présentement, mais avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que la collection numéro 2 de Maison d'Or, les trois premières paires de jeans qu'on a, c'est les premières paires qu'on crée de notre vie, sont maintenant disponibles. On est super fiers. Le fit est parfait. La qualité est awesome. Vraiment fiers des premiers produits. On a le leather jacket, donc un cuir de cuir en synthétique. Le fit est parfait, incroyable. C'est le thème le plus vendu présentement. Et troisièmement, on a aussi deux chandails qui sont en Suède aussi. Donc, c'est ça les nouveaux items. Allez voir sur maisonor.com. Je vais mettre le lien aussi dans la description du vidéo. Et cela dit, merci de votre support. J'apprécie. Maintenant, je vous laisse avec le commercial. Donc, je suis de retour. J'espère que vous avez apprécié le petit vidéo que j'ai fait pour vous. Et là, c'est temps d'aller s'entraîner. Je me suis entraîné samedi avec mon ami Alex. J'étais à Laval, j'avais une coupe de cheveux. Puis là, je sais qu'il habitait à Laval. Je me disais, pourquoi on ne va pas s'entraîner ensemble? On a fait un training de legs et triceps. Puis je peux vous dire que je suis encore vraiment raqué de ce training-là. Ça va faire 3 jours, là. Puis j'ai encore de la misère à masser dans mon auto, là. Fait que c'est vraiment intense. Le premier exercice qu'on a fait, on s'est warm-up sur le hack squat machine. On a fait du 10 répétitions. On a fait 3 sets. Puis notre but, dans le fond, c'est de faire du overload. C'est de charger plus de poids à chaque set. Juste pour se réchauffer, puis vraiment développer le range of motion. Donc, l'amplitude de mouvement qu'on a durant l'exercice. Et de vraiment aussi se réchauffer les genoux. Peut-être que vous ne savez pas, mais dans le fond, moi, mes genoux, j'ai beaucoup joué au hockey. Puis mes genoux, ils craquent beaucoup si je ne suis pas étiré comme du monde. Puis je ne suis pas comme réchauffé. Donc, on a fait ça 10 répétitions, 3 sets, puis on rajoutait une plate dans le fond à chaque set pour se réchauffer. Après ça, on a commencé avec le premier exercice qui est encore sur l'hack squat. Et l'inclinaison au Atlantis à Laval de cette machine-là, elle target vraiment bien les quads. Et c'était vraiment c'était exceptionnel pour le feeling qu'on avait. Dans le fond, on faisait un drop set. Un drop set, c'est un exercice que vous allez prendre beaucoup de poids au début. Après ça, vous allez... c'est dur à expliquer. On fait 4 répétitions, 6 répétitions, 8 répétitions, puis dans le fond, le but, c'est d'avoir super lourd. Après ça, on enlève du poids, on prend un petit peu plus léger, on fait 6 répétitions, on enlève encore du poids, puis on fait 8 répétitions. Fait que c'est comme avoir 3 exercices dans un qui est le même exercice. Ça fait du sens. Puis c'est super, super difficile. Et dans le fond, on a commencé avec 5 plates, donc c'était 545 livres plus le poids de la machine. 450 livres, excusez. Fait que c'est environ 500 livres. On commence avec ça pour le 4 répétitions. Après ça, on enlève 90 livres. Fait que là, on est plus dans le 410 livres environ. Pour le 6 répétitions, après ça, on enlève encore 90 livres. Puis là, on fait le 8 répétitions. Par la suite, ça, c'est en superset. Un superset, c'est tu vas directement à la deuxième exercice avec du leg press pour 15 répétitions pour vraiment finir nos jambes puis vraiment aller chercher le brûlement qui est vraiment trop intense. Puis dans le fond, tout ça, ça, c'est le premier exercice. Fait qu'on fait le drop set. Un superset avec le leg press et on va faire 4 sets de ça. Donc c'est super super dur, on prend 1 minute et demie en chaque set pour être sûr qu'on n'est pas totalement reposé puis qu'on stresse le plus possible le muscle. Après ça on va faire le deuxième exercice qui est du walking barbell lunge. En français je ne connais pas les termes, désolé, mais c'est un exercice classique, on fait juste marcher avec une barre sur le dos. T'as l'air de Jésus puis c'est pas mal ça. Sauf que Jésus était pas mal plus triste là. Donc on faisait du 16 répétitions. 4 sets encore et dans le fond, c'est 8 répétitions par jambe.
Et ça, c'était le deuxième exercice. Après ça, on a fini sur le Donkey Calf. C'est cette machine-là. C'est quand même dur à trouver cette machine-là au Atlantis. C'est la première fois que je joue. Atlantis puis au Gold Gym en Californie, c'est les seuls deux gyms dans toute ma vie que j'ai trouvé cette machine-là. Puis j'en ai fait beaucoup des gyms. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre des filles qui embarquent sur votre dos et vous mettez vos pieds sur un petit step puis vous faites du Donkey Calf Race. Donc, ça, c'est une alternative. Moi, j'en fais souvent avec quatre à la maison. On écoute une TV série, on met l'ordi devant nous, j'ai les mains sur le bureau. En embarque sur mon dos, puis je mets mes pieds dans le fond sur un livre, sur une encyclopédie qui est environ épaisse comme ça. Puis après ça, je peux aller chercher le stretch dans mes mollets parce que c'est le meilleur exercice pour développer ses mollets. C'est ça, ouais, je fais ça avec Kat. Elle était vraiment willing de le faire. Fait qu'elle m'a dit, en plus, c'est elle, c'est son idée. Elle dit, ah, pourquoi on n'en fait pas pendant qu'on écoute une TV série, on sauve du temps, puis en plus, tu peux développer tes mollets. Et mes mollets, c'est un de mes points faibles. Donc j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée, ça, on va faire ça comme ça. On perd pas de temps. Donc, c'était ça pour les jambes, la section jambes. Après ça, on fait triceps. Triceps, on commence avec un exercice simple. On s'en va sur la machine. On fait du tricep extension et on fait du 12 répétitions. 4 sets total. Et dans le fond, le but, c'est de prendre les deux premiers sets pour se réchauffer les coudes parce que, en tout cas, moi aussi, les coudes, ils craquent. Je suis vraiment magané comme personne. Mais non, je suis en top shape, mais ça reste, il faut bien se réchauffer. Donc, je prenais un peu plus léger pour le premier set. Le deuxième set, j'augmentais les charges. Puis le troisième et quatrième set, c'est vraiment mes working sets. Les sets, c'est que je poussais la machine au maximum. Et le but, dans le fond, c'était de faire 12 répétitions. Et c'était ça pour le premier exercice. Après ça, on fait un giant set. Un giant set, c'est trois exercices qu'on fait back-to-back. Donc, il n'y a pas de pause entre chaque, comme un superset, mais là, il y en a juste trois. Puis c'est pour ça que ça s'appelle un giant set. Quand il y en a plus que deux, dans le fond, c'est giant set. On commence avec du tricep push-down pour 10 répétitions. Après ça, on reste à la même place, puis on va faire du skull crusher. Standing Skull Crusher. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice-là, c'est qu'on essaie d'aligner notre torse parallèle au plancher et on va amener la barre à notre front, juste un petit peu en haut du front, parce qu'on ne veut pas se taper la barre dans le front, puis en plus, il y a un câble. Fait que juste en haut, puis on essaie le plus possible de garder ses bras dans le fond perpendiculaire au mouvement. Comme ça, le stress il est vertical sur le muscle, puis c'est comme ça qu'on peut développer. 10 répétitions-là, et après ça, on finit avec des dips. Moi, je faisais 20 répétitions sur les dips, mais faites juste le plus de répétitions possible. Et c'est ça pour le deuxième exercice. On va faire 3 sets au complet. Et après ça, on va finir avec Barbell Hammer Extension, Tricep Extension. Si vous n'avez pas cette machine-là, que vous avez une grip neutre, vous pouvez prendre deux dumbbells que vous mettez ensemble et vous les emmenez en haut de votre tête et vous faites votre Tricep Extension. Une chose à retenir, c'est de ne pas ouvrir les bras comme ça. On voit souvent du monde qui font leur tricep comme ça. Qu'est-ce qui arrive dans le fond, c'est qu'un muscle, pour qu'il développe, le stress, il faut qu'il soit le plus vertical possible dessus. Donc, si je suis comme ça, qu'est-ce qui arrive? Vous le voyez bien, là, l'angle, là, le muscle est ici. Là. Fait que là, le stress n'est pas vertical. Fait que si on veut vraiment stresser le muscle le plus possible, donc pour grossir le plus vite possible, on veut emmener le bras qui va longer comme le side de nos lattes et d'être le plus vertical possible et que le poids, dans le fond, il est ici. C'est sûr que c'est quand même dur d'être totalement égal, mais le but, c'est vraiment de garder ses coudes le plus rapprochés de son corps pour stresser le tricep. Donc, c'était ça pour le workout d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Vraiment dur comme workout, vous allez être super OK. Donnez-moi des feedbacks en dessous de la vidéo si vous aimez ce type de vidéo-là. C'est un petit peu différent, c'est vraiment plus fitness-wise, mais j'aime ça alterner avec les deux parce que le fitness, c'est une grosse partie de ma vie. Et le but, c'est d'être en forme parce que notre corps, c'est le véhicule qui nous amène à faire toutes les activités qu'on veut faire, à vivre les expériences qu'on veut vivre. Et c'est ça, le but. Donc, cela dit, je vous souhaite une belle journée. Là, c'est le temps de travailler, c'est le temps qu'il y ait la journée. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Peace out.